mampanziga tamamna tangu ni wayi tonkato yanyani susaba Jesus Christ yabya mampanziga tamamna tangu ni wayi tonkato yanyani samara malebra usuko sora yira zuzo bambu gama nemsiri bama bama ne wani de barakti bam siwa kama kwenga bam kala rabbe dola toma bima hila la bam yeta me kiya de la to wana barakwana gula raje ton ko jugo et notre thème ya sokre c'est une question notre thème a jeji mana wana ton osutano. Comment Jésus a pu avoir le dessus sur le diable? Lui qui est descendu des cieux et qui est remonté dans les cieux. Comment Jésus a pu faire pour avoir le dessus sur le diable et sur ses démons? La nuit, je n'ai pas eu la fin. Et surtout les méchants qui se sont associés au diable. Jésus est un vainqueur. Jésus est plus qu'un vainqueur. Donc, tu ton tasse. Il va falloir que nous puissions penser à cela. Jésus mantoto un ton rabier. Pour savoir comment Jésus a pu avoir le dessus sur ses ennemis. Et maintenant, quelle est l'arme que Jésus a utilisée pour avoir le dessus sur ses ennemis? Ce sont les chars que les hommes ont fabriqués. Ou bien ce sont les flèches. Ou bien ce sont les épées. Non, je disais 14. Et cela mérite vraiment une question. Et pour avoir le dessus sur le dessus sur ses ennemis, sur le plan spirituel et physique. Donc il est bon et agréable à tout enfant de Dieu de savoir ces choses-là. Afin qu'il puisse emprunter le chemin que Jésus a emprunté et pour avoir la victoire. Gloire à Dieu. Et Luc chapitre 9. Donc nous allons lire dans Luc chapitre 4, verset 1. Et nous allons lire jusqu'au verset 13. À Jésus m'a créé. Tentation de Jésus-Christ. À Jésus m'a puni si chongo. Jésus rempli du Saint-Esprit. Et puis il joue dans le choléra. Revint du Jourdain. La chichon m'a un talibam m'a tout qu'un ouïr. Et il fut conduit par l'esprit dans le désert. La soutane m'a kabanda s'impinance. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Là, il a 15 poussées dans mon calier. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Là, il a 15 sont lourés comme il y a kabamba. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Soutane y est la bamia. Le diable lui dit. Si tu es le fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. À Jésus le kanyenda. Jésus lui répondit. À Goulsa mais. Il est écrit. Nishar katun vineri balie. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Tu t'en as déjà kabamba. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il là. Et lui dit. Maintenant qu'on y a un panquin sa femme. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Te bien. Comment fait-il sourire? Car elle m'a été donnée. La même compte, même sondata sob. Et je la donne à qui je veux. Otenyinga, yam sangu mamtori, fana yi yam denda. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus le kanyenda. Jésus lui répondit. Agul sa mère. Il est écrit. Wa jusaba fomenam.
la sac bambala. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu lui serviras lui seul. Je te relève ta la bambala en ken, je dis je l'aime, je n'ai pas bambala, ou en nam d'ourzougou. Il bambala. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit. Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, afin qu'il te garde. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit. Il a dit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui. Mbahbamba. Jusqu'à un moment favorable. Et la question dont nous avons eu à nous poser, qui était comment Jésus a fait pour avoir le dessus sur le diable et sur les méchants. Cela a été dans l'obéissance de Dieu. Que Jésus a eu la domination. Jésus n'a pas appris à désobéir à Dieu. La parole de Dieu nous dit que Jésus est allé au niveau du Jourdain. La hantigende lusinga. Qu'il est parti se faire baptiser au niveau du Jourdain. Et lorsqu'il s'est baptisé, il n'a pas pu dire à ses frères et sœurs. Après être baptisé, je vais aller au désert faire 10 ou 20 jours. Il a dit, je vais aller me faire baptiser. Il ne savait pas quand est-ce qu'il allait être, il allait revenir. Seul Dieu le savait. Et la parole de Dieu dit qu'après avoir été baptisé, qu'il est sorti de l'eau. Et cela a été un témoignage. Pour que les cieux s'ouvrent. Et qu'une voix s'est retentie des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et que j'aime de tout mon cœur. Et que la parole s'est transformée en une colombe. Et que cette parole est venue sur l'épaule de Jésus. Pour témoigner que c'est cet enfant-là. La parole nous dit. Que Jésus. Après ce témoignage, et qu'il partait, sachez donc, pour aller se faire baptiser, il était obligé de se déplacer au moyen de ses pieds. Les scientifiques ont montré qu'il a marché jusqu'à environ 120 km. Mais après son baptême, et la parole que nous venons de lire nous enseigne que c'est le Saint-Esprit lui-même qui a conduit Jésus pour l'envoyer sur une montagne. Et lorsqu'il a conduit Jésus jusqu'à la montagne, voici le programme que Jésus a rencontré, que Jésus a lu sur la montagne. Tu vas demeurer ici. Dans durant 40 jours. Personne ne viendra ici. Tu ne boiras ni d'eau. Et tu ne mangeras point. Ce qui va t'arriver ici, c'est toi et celui qui va venir à ta rencontre.
Est-ce qu'un peureux peut suivre le Seigneur? Ils ont envoyé le Fils de l'homme là, dans la forêt, là où il y a les, là où il y a les lions et les panthères et autres. Lorsque le Saint-Esprit a conduit Jésus sur la montagne, il a reculé. Il a à chaque fois, on nous enseigne de ne pas beaucoup parler et de faire attention à ce que nous disons. Regardez cet homme-là qui était sur la montagne. Où était son compagnon? C'est avec qui il causait. Il y a des gens, lorsqu'ils sont seuls durant 2 heures, ils vont dire, bon, je vais chercher un compagnon pour causer avec cet homme-là. Et c'est parce qu'il y a les causeries qu'il y a des paroles qui sortent. Jésus est descendu sur la montagne. Et il faisait le tour. Vous croyez que Jésus n'avait pas de pied pour descendre de cette montagne? Vous croyez qu'il ne savait pas d'où il venait? S'il n'avait pas appris l'obéissance. Si la faim n'a pas fait descendre de la montagne, c'est la soif qui va le précipiter de la montagne. La parole dit que Jésus s'est tenu sur cette montagne pour attendre la parole de Dieu. Tu vas te tendre jusqu'à la nourriture qu'il avait consommée, l'énergie de cette nourriture a commencé à disparaître. L'eau qu'il avait bu, cette eau-là qui était dans son corps a commencé à s'évaporer. Et il n'y avait point d'aide pour Jésus. Vous voyez? Il n'y avait point d'aide. Lorsque des chrétiens traversent de telles épreuves, c'est eux-mêmes qui vont courir pour descendre de la montagne pour aller à la maison. Et ils vont détruire le plan de Dieu pour eux. La parole de Dieu nous dit que Jésus s'est tenu sur la montagne. Et que lorsqu'il avait faim et soif, vous savez comment la soif peut agir dans la vie d'un homme. Vous savez même que la faim envoie des vertiges. Et la faim même affaiblit même un homme. La soif est une arme. Et ainsi que la faim. Pour aller à la rencontre du Fils de Dieu sur la montagne. Et les yeux commençaient, sa vision commençait à s'affaiblir. Et du fait que ces choses-là commençaient à s'empirer, on appelle ces choses-là des épreuves. C'est pendant le temps d'épreuve que le diable lui-même commence à se déplacer vers vous. Là où vous n'avez pas la solution à vos problèmes. À moins que personne ne vous donne 25 francs, vous n'avez même pas 10 francs pour vous nourrir. Au moment où vous avez besoin de 100 francs pour payer un sachet d'eau. Et que les gens vous ont oublié comme si vous étiez décédé. C'est à ce moment que le diable lui-même se déplace vers vous. Le diable ne vient pas au moment où vous avez bien mangé et que vous êtes satisfait. À ce moment, vous avez toujours la force humaine. Vous voyez, au moment où vous avez la fin de l'argent et que vous commencez à avoir des vertiges. Et si même vous gagnez même du temps, vous allez plonger la main dans la poche d'une autre personne. Pour voler, c'est à ce moment que le diable se déplace vers vous. Vraiment, mon frère, tu souffres.
Je suis en train de me provoquer. C'est le diable qui vous provoque. Ami Yamou, il y a un nom. Ici, au moment où vous êtes, où vous n'avez rien. Ami Yamou, ta date, moi, quatre. Ici, au moment où vous avez des désirs. Tu rates ma halle, il y a une vie. Et si toutefois ce désir est lié même à votre propre vie, tu rates un congo, tu es quitté, il y a un bahouende. Et ce désir peut vous pousser à abandonner Dieu. Là, ouate. C'est à ce moment que le diable vient. Bien, bien. Vous voyez. Ah, vraiment, tu souffres. Pourtant, vous êtes un enfant de Dieu. Ami, il le sait. Parce que l'autorité que vous avez là. Bon, vous n'avez pas besoin d'aller à la boulangerie. Aïe. Non. Ordonnez seulement au rocher là de se transformer en pain. Ah, bah, y'a un pour un pire même. Ah, mais vous allez avoir le ventre rempli. C'est le temps de preuve de Jésus que le diable s'est approché pour enseigner même Jésus. Pour démontrer à Jésus qu'il a l'autorité et le pouvoir. Et qu'il est dans le souffrant, vous voyez. La puissance peut être là, mais si l'autorité ne vient pas, cela ne vous est pas utile. Et Jésus dit, je vais t'envoyer dans la parole de Dieu. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole de Dieu est supérieure à la nourriture. Sachez donc que la parole de Dieu a plus de qualité et la parole de Dieu a plus de valeur que les gigots que vous pouvez avoir. Ah, oui. T'as soutenu le jambé et le diable est tombé à la renverse. Il dit ah. Et il s'est dit ah. Donc c'est la parole de Dieu que tu veux utiliser pour m'envoyer à la renverse. Et dit que s'il y en a ici. C'est parce que je suis loin de toi que toi tu utilises la parole de Dieu pour me faire tomber à la renverse. La parole nous dit qu'il est rentré dans le roi. Il te comment là. À ce moment, la faim, la fatigue et la soif. Il a élevé le roi. Voici un honneur qui est sans utilité. Des hommes et des femmes qui veulent être élevés. Une élévation qui est liée à la mort. Beaucoup veulent ce genre d'élévation. C'est une telle élévation que le diable a fait pour Jésus. Il a montré tout le royaume de la terre en un clin d'œil. Voici l'humilité, vraiment est une bonne chose. Et il était avec Dieu pendant la création. Et quand tu es là pour te montrer tout ce que tu as créé. Jésus avait toute cette puissance-là, mais il s'est rendu humble. C'est Jésus même qui a permis au diable de l'élever. D'autres, c'est lorsque le diable va le lorgner seulement. Qu'il commence à pleurer et commencer à se faire. Ne voyez pas, il est en train de me lorgner. Ne voyez pas, il est en train de me souffler. Jésus, on ne l'a pas soufflé, on ne l'a pas lorgné, on l'a relevé. Pourtant, on est en train de lorgner seulement quand tu souffles dessus. Il n'a pas eu peur du roi. Aïe. Non. Il a élevé Jésus. Et il a posé Jésus. Vous voyez. Lorsqu'on crée l'homme. Et qu'on a confié le monde à l'homme. Aux yeux de moi, Satan. Lorsque j'ai eu la sagesse de séduire l'homme. Et pour avoir la domination du diable et le dépouiller de tout ce qu'il a,
Tout ce que l'homme a m'appartient, et l'homme lui-même. L'homme n'a plus droit à rien. Donc je domine maintenant sur Adam, Ève et toute sa postérité, ils sont dans mes mains. Lorsque Dieu vous donne le salut, la façon dont ils ont pu séduire Adam et Ève et les dépouiller de leurs biens et qui donnent témoignage que c'est lui-même qui les possède. Voyez le salut que Dieu vous a donné ainsi que le paradis que Dieu vous a promis. Cela peut vous être dépouillé. La ruse par laquelle ils ont passé pour prendre dépouiller Adam et Ève, ils agissent ainsi envers vous pour vous dépouiller de toutes les promesses de Dieu. Voulant vous séduire pour vous dépouiller de votre couronne de vie. D'autres même, ça ne va pas dépasser un dîme de 1000 francs. Et ils vont les séduire et prendre la promesse de Dieu dans sa vie. D'autres, c'est la fin qu'ils vont envoyer. Et ils vont lui donner un emploi qui va le pousser à oublier l'église. Et ils vont le mettre dedans. Et ils vont lui dire, mais le dimanche, tu pars plus à l'église. Et il va dire, j'accepte. Vous voyez. Aujourd'hui, il continue toujours à séduire pour dépouiller les dons de Dieu. Depuis qu'ils ont séduit Adam et l'ont dépouillé de tout ce qu'il a, aujourd'hui, il continue toujours de séduire d'autres personnes pour les dépouiller de toutes les promesses de Dieu dans leur vie. Si toutefois, ils voient que vous marchez dans la droiture, et ils voient que si vous empruntez ce chemin-là, vous continuez toujours ce chemin, vous allez hériter le royaume de Dieu. Vous ne buvez pas l'alcool. Vous ne commettez pas l'impudicité. Vous payez la dîme. Vous n'usez pas de tromperie envers les uns et les autres. En ce moment, vous allez voir qu'ils vont envoyer des paroles. On te dit que toi tu es un extrémiste. Toi aussi, il faut commencer à rabaisser comme les autres. Il faut partir de là. C'est plus grand que les pasteurs et qu'ils commettent l'adultère et qu'ils prennent l'alcool. Quand même, non, pour toi aussi, pourquoi vraiment tu sers même ta foi chrétienne ainsi? Dieu est un Dieu de compassion. Il faut prendre un peu. Tu vois, non? C'est pas ta justice qui peut te sauver. Non. Raison pour laquelle? Si toutefois tu peux prendre un peu l'alcool, la bière, vraiment ça aide. Et toi aussi tu détournes ta tête. Et tu commences à prendre l'alcool. Hein? Oui. Tu vas pas prendre une bouteille de bière. Aïe, maman, je suis un petit nouveau. Comme j'ai un débutant, je ne peux pas prendre deux bouteilles de bière. Vous voyez? Vous voyez, j'ai prié pour un jeune homme qui a été délivré. Lorsque les démons ont vu et les signes de la délivrance, une nuit il marchait. Il entendait des voix. Pourtant, il ne voit pas la personne qui s'adresse à lui. Et la voix était contre lui. Toi qui marches ainsi. Est-ce que tu es plus bien que le pasteur? Et qu'il commet l'adultère et qu'il part se confesser. Toi aussi, tu ne vas pas chercher une femme. Pourquoi aussi tu ne vas pas chercher une femme? Il commet l'adultère. Lorsque lui a écouté cette voix, lorsqu'il s'est retourné, il y avait des prostituées qui n'étaient pas loin de lui.
plus pas où. Et lui, il allait là-bas, il est tombé dans l'adultère. Lorsque lui s'est levé, il entendait ça, la voix qui dit, ah, c'est mieux comme ça. Je vous dis, c'est une réalité. Et cet homme est tombé dans l'impudicité. Ça, c'est donc que ces gens de voix-là racontent toujours les enfants de Dieu. Toi qui comptes l'argent, là. Tu as chopé le auto indique quoi ya. Et c'est une grosse somme que tu dois. Mais quand tu es gros, big, miracle billy. Toi aussi tu ne peux pas frauder un peu et prendre de l'argent. Ah, faut pas pire ya ya bon la auto. Toi vraiment, où est-ce qu'on va ton intégrité? Ah, faut pas ligue là. Est-ce que c'est l'argent de ton père? Faut me parler. Toi aussi, il faut enlever un peu. Il est quand même plus de bureaux là, bonjour. Et cela remplit dans les bureaux qui se trouvent au Burkina. Une petite boutique ici. Et remplissent les boutiques. Vous voyez? Même ici. Frère. À ce temps, tu es un provocateur. Le diable continue toujours de provoquer. Ah, Jésus, il est la fin. Et enfin. Jésus lui a dit. Mais moi, me faut-il. Pour que moi, je me prosterne devant toi. Dieu de nous enfin. Pour prendre le monde entier en retour. Ah, d'accord. Non, ça, c'est chose impossible. Moi, je vais pas oublier la parole de Dieu. Ah, mère. Il est écrit encore. Rangonde. Ne te prosterne pas. Devant un autre Dieu, si ce n'est pas un Dieu. Je n'ai pas d'autre Dieu dans mon cœur. Devant qui je peux me prosterner. Si ce n'est pas mon père. C'est une telle croyance, une telle foi que Dieu demande. Si nous pas qui a un baptême ici et nous partons nous prosterner. Envoyez des gens contre lui. Faut va ici. Courez. Oui, il y a les funérailles. Et toi, tu viens te prosterner. Et tu passes petit à petit. Notre Seigneur, il a ressuscité de moi, mais n'est pas allé pour présenter ses condoléances. Attends, je te sable. Mais parce que nous avons. Maman, quand tu es pour Koukanga. Mais si je ne parle pas, me présenter mes salutations. Ils ne savent pas que ce sont des démons qui sont les hommes. Ils croient que ce sont des hommes. Ne pas n'angoma. Le fait que les gens vont parler, ah, critiquer. Et ça, c'est un problème. Dans le même qui est. Non, pas moi qui j'y aille. Mais il y a un homme, ça. Quelqu'un m'a dit, hein. Il y a mon oncle qui est décédé. Et je me suis levé. Je suis parti présenter pour les funérailles. Et je suis allé dans une maison. Et j'ai demandé de ne pas envoyer ni la viande du funérail. Ni la nourriture du funérail. Yo, après, il a vu une personne qui a envoyé de la nourriture et de la viande. Et il posait la question. J'espère que ce n'est pas la nourriture du funérail. Hein. Et ils ont dit, non, ce n'est pas la nourriture qui vient du funérail. Et il a pris la nourriture, mais il est tombé. Vous voyez. Allez, ma chambre. Donc, vraiment, la sagesse nous aide de temps en temps. Vous voyez. Et il est tombé. Il pourra qui? Et sa vie de prière est finie. Il ne sait pas qu'on doit mettre en règle ces choses-là. Jusqu'au jour. Pour que des prières sont venues dans son église. Il a rien à faire. Pour dire que ils ont dit que vous êtes un sorcier. T'es un chien. Et lui s'est attristé. Comment? Le fait qu'il n'a pas confessé le péché qu'il a commis. Ouais, il n'y avait pas l'esprit de gloire. Et lui, il était assis, son cœur était attristé. Demandant pardon au Seigneur. Et tu laisses maintenant le diable prendre le dessus pour toi et tu viens pour demander pardon. Il y a des gens qui tombent dans le péché et qui ne confessent pas et prennent du retard. Et la parole de Dieu dit que le diable n'a pas vaincu. C'est pas une deuxième fois. La troisième fois, il a pris Jésus. Et il a posé Jésus sur une montagne.
Il a dit que il a dit Jésus de sauter du haut du montagne parce que Dieu va ordonner à des gens afin qu'ils puissent le garder. Jérusalem t'en tient sur la montagne de Jérusalem. Et saute-toi de la montagne. Il était écrit comme quoi tu m'as envoyé dans la parole. Moi aussi je t'envoie dans la parole de Dieu. Attends-toi de sauter de la, sur la montagne. Il est écrit dans la Bible. Écrit et lit le livre des Sceaux. Il ordonne là à des gens à ton sujet. Afin qu'ils te gardent. Et Jésus lui a dit. Moi aussi je te renvoie dans la parole de Dieu. À Goul Samia. Il est écrit. Je sais bien que Dieu est un Dieu tout puissant. Mais je de ne point le tenter. Je ne point le tenter. Vous voyez? Ah. C'est pas un chrétien qui a tenté Dieu pour voir. Et quelle chose je continue? Donc il marchait sur un chemin et il a vu un doigt qu'on a fait avec des galettes. Et il dit que nous mangeons de ces galettes, il n'y aura rien. Il a pris les galettes, il a mangé et sa langue a tiré jusqu'à son cou. Non, il a essayé pour voir. Il a essayé pour voir. Et une autre personne, c'est une calebasse qu'il a vue et qu'il a fait un doigt sur une termitière. Et cette personne-là a tenté Dieu en marchant sur la calebasse. Et une maladie a pris ses pieds. Tentez pour voir. Je sais que Dieu est tout puissant. Mais ne tente pas Dieu. Vous voyez? Et on dit que dans un pays au bord de la mer, une personne a dit que lui va marcher sur les eaux parce que les pierres ont marché sur les eaux. Les pierres ont marché sur les eaux, rien ne s'est passé. Non, il s'est levé pour marcher sur les eaux. Et il s'est noyé dans l'eau. Tentez pour voir. Vous voyez. Il y a des gens qui font le tour de buvette en se disant que Dieu va m'aider afin que je ne tombe pas ou que je ne cède pas la tentation. Ils font le tour des accolades de gauche à droite en se disant que Dieu m'a aidé afin que je ne fais même pas attention à ces accolades-là. Non, tu vas tomber, mon frère. Ah. Non, tu vas tomber. Faisons attention dans ces choses-là pour tenter Dieu pour voir. Si vous voulez tenter Dieu pour voir, vous allez y rester. Donc Jésus avait la parole de Dieu pour vaincre Satan. Et depuis que Jésus a sauvé les chrétiens, tout chrétien qui va abandonner la parole de Dieu, croyant qu'il va hériter le royaume de Dieu, voulant avoir la victoire, si vous entretenez avec cette personne, et que cette personne n'aime pas la parole de Dieu, il écoute en dormant, il écoute et il est incrédule, il écoute tout en doutant, il écoute en oubliant. Si vous le demandez qu'il dit que lui va hériter le nom de Dieu, dites-lui qu'il ne va pas y arriver. Non, il ne va pas y arriver. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu que Jésus a pu avoir le dessus sur le diable. Mais toi, tu reçois les paroles des hommes et que tu... et que tu gardes ces paroles. Et la parole de Dieu, il y a peu de paroles de Dieu sur ces paroles-là. Et le reste, là, ce n'est rien d'autre que des paroles des hommes et des paroles des démons. Tu ne peux pas y vaincre. Donc, nous avons confiance aux paroles des uns et des autres, plus que la parole de Dieu. Et le chemin de la victoire de Jésus, c'est par la parole du Tout-Puissant que Jésus a pris.
Ne vous amusez pas avec la parole de Dieu. Lorsque vous arrivez à abandonner la parole de Dieu, Dieu vous abandonne aussi à ce moment. Donc, saisissez la parole de Dieu. Il y a combien de personnes qui chantent au niveau de la chorale et qui ne peuvent même pas prier, ne peuvent même pas lire la Bible. Et c'est pour chanter et repartir chez eux. Comme les jeunes filles du monde. Certaines jeunes filles, elles se présentent pour avoir un mari. Et celles qui ne se sont pas préservées et qui n'ont pas qu'elles n'ont pas eu. C'est elles qui viennent au niveau des mariages pour chanter et pour danser. Et celle qui s'est préservée au niveau dans le domicile de son mari. Et maintenant celles qui ont dansé là repartent chez elles. Elles vont chanter au retour. Et il assurera ainsi au retour de Jésus. D'autres vont chanter pour apaiser les cœurs, pour consoler les cœurs de zéro. Et ils vont quitter la peur pour entrer dans le royaume de Dieu. Je suis chambre pour un ticket. Et ils vont quitter la tristesse pour entrer dans le royaume de Dieu. Balcona, gloire à Dieu. Bien, on a eu ton Dieu. Qu'est-ce que nous avons dit? On part en dehors de ton ticket. Que Dieu nous fortifie afin que nous puissions hériter le royaume de Dieu. La baie ou Abamie. Mais ne soyons pas comme eux. La butine de part ne te rend pas ticket de tout le bon pays. Mais que nous ne fortifions pas les autres et que les autres héritent le royaume de Dieu et nous allons rester sans rien. Non. Bon, on a un petit poignard. On les appelle ceux-là qui accompagnent, la dame de compagnie. Lorsqu'il y a un mariage, toujours la dame de compagnie qui est là. Il y a des ceux qui accompagnent n'ont pas de mari. Ils ne font que danser. Vous voyez que tous ceux-là qui sont dans l'église, qui chantent et qui commettent l'adultère ou l'impudicité, ce sont des dames de compagnie. Des dames de compagnie. Qui n'a dit qu'à part Bando. Mais Christ va venir prendre ses épouses et partir. Bien on a y tourné. Que cela ne soit pas notre portion. Amen. Et que cela ne soit pas notre portion. Balcona, ma. Gloire à Dieu. A dit il est là et tout rachutana. Ta chutan il est massa. Jésus a vaincu le diable et le diable a dit maintenant. Macra taba auto. Ces trois épreuves là. Bon, mon temps est arrivé. Mais je vais partir. Lorsque il y aura un temps favorable, je vais revenir. Parce que la tentation n'a pas de fin. C'est dans le royaume de Dieu qu'il n'y a point de tentation. Et vous qui êtes toujours là, il y a toujours la tentation qui est là. Parce que vous avez toujours des désirs. Ah, il va falloir qu'il tente votre désir. Et là, entre temps, c'est terminé par là. Et Jésus a pris les clés de la victoire. Gloire à Dieu. Là, nous avons vraiment un vaillant héros. Hein? Oui. Il a utilisé la parole de Dieu pour avoir la victoire et nous sauver en retour. Ouais. Oui. Oui, les mariages là c'est comme ça. Lorsque l'homme arrive à persuader la femme, la femme devient la femme du monsieur. Et il apporte la femme là chez lui. Et bien ici, tu as la Alléluia. C'est parce que cet homme a été convaincant devant la femme qu'il a pu emporter la femme. Oui. Lorsque le diable nous arrive à nous convaincre, en ce moment nous devenons ses épouses. Nous qui devons aller faire le mal, célébrer le mariage avec Jésus, en ce moment ce serait chose impossible. C'est la manière par laquelle Jésus a vaincu le diable que nous avons pris le temps de vous le montrer. C'est par l'obéissance de la parole de Dieu. Attachez-vous à la parole de Dieu et vous aurez la victoire. Ensemble, nous allons rendre grâce au Seigneur.
Bamse, wa son ton ne vient mettre bam. Dieu qui lui qui nous a aidé par la lumière de sa parole.